Alors bonjour, mon nom est François Beauvais, je suis le directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec. C'est avec grand plaisir que je m'adresse sur le site de Art et patrimoine pour vous parler un petit peu plus de ce que fait le Conseil des métiers d'art et notre implication auprès des artistes et des artisans qui œuvrent dans le domaine des métiers d'art liés à l'architecture et au bâtiment. Le Conseil des métiers d'art est l'association qui regroupe et représente l'ensemble des artistes et des artisans qui œuvrent de façon professionnelle en métiers d'art au Québec. Notre mission, de façon très simple, c'est de faire tout en notre pouvoir pour aider les artistes et les artisans à vivre le mieux possible de leur art. Notre raison d'être, c'est évidemment les artistes et les artisans professionnels au Québec qui sont en métier d'art. Et ce qu'on fait pour aider les artisans, notre intervention se présente sous quatre aspects. Le premier, c'est évidemment de représenter l'ensemble des artistes et des artisans auprès des instances gouvernementales qui ont à interagir pour le milieu. Le deuxième, on est un peu le gardien de la qualité et de l'intégrité du produit métier d'art au Québec. Pour être reconnu membre du Conseil, les artisans doivent passer devant un jury de pairs qui évalue leur travail et accepte de les accueillir comme membres au sein du Conseil. Et également, on a comme responsabilité d'assurer l'intégrité du produit métier d'art, c'est-à-dire que l'ensemble des œuvres qui sont produites par les artistes et les artisans respectent les normes et standards pour chacune des familles de métiers qu'on retrouve. On a également comme objectif d'aider les artisans dans leur travail, c'est-à-dire les aider au niveau de la commercialisation et de la diffusion de leurs œuvres. Pour ce faire, le Conseil des métiers d'art organise deux grands événements annuellement, qui sont le Salon des métiers d'art de Québec à Montréal au mois de décembre et le Salon des métiers d'art de Québec au mois d'août, ici à l'espace 400e à Québec. On a également un réseau de boutiques dans lequel on offre que les produits faits par les artistes et les artisans du Conseil des métiers d'art. Et également, on offre à nos artisans des services de formation, que ce soit une formation plus en administration pour les aider dans la gestion de leurs entreprises, ou que ce soit de la formation professionnelle pour les aider à s'améliorer ou à découvrir des nouvelles techniques. Fait qu'en gros, le conseil, c'est environ une quarantaine de personnes qui sont au service des artistes et des artisans du Québec. Et on essaie de faire tout ce qu'on est capable avec les moyens qu'on a pour les aider le plus possible. Depuis 2 ans, un nouveau défi nous est apparu, qui est celui de regrouper et de représenter les artistes et artisans qui œuvrent dans le domaine des métiers d'art liés à l'architecture et au bâtiment. On aurait au Québec environ 300 à 400 artistes qui œuvrent dans ce secteur-là. Et malheureusement, depuis de nombreuses années, ils ont fait plusieurs tentatives pour se regrouper, tentatives qui n'ont pas donné suite. Et avec l'aide du gouvernement du Québec et de la SEDEC, on a eu les moyens pour engager une personne qui s'est dédiée à 100% à cette tâche-là, qui est Mme France Girard, avec qui vous allez avoir l'occasion de parler plus tard au sein de cette capsule. Alors, France est arrivée avec le Conseil il y a maintenant près de 2 ans, et sa tâche était d'identifier l'ensemble des artistes et des artisans qui sont en métier d'art lié à l'architecture et au bâtiment au Québec. Également, ce qu'on avait à faire comme travail, c'était de définir chacun de ces métiers, chacune de ces professions dans le secteur, de définir les normes et standards pour être capable de les reconnaître et de leur faire obtenir un statut d'artiste et d'artisan professionnel dans le domaine des métiers d'art. Alors, il y a un gros travail qui a été fait depuis 2 ans et la prochaine étape va être d'aider ces artisans-là à vivre le mieux possible de leur art et ça va s'insérer dans la mission du Conseil. Alors, ce qu'on fait, on les identifie, on les regroupe, on les invite à se joindre au sein du Conseil et on va leur donner le meilleur coup de main qu'on est capable pour se faire mieux connaître à l'ensemble du Québec. On a fait jusqu'à date plusieurs rencontres avec des donneurs d'ouvrages, des prescripteurs pour voir quels seraient les outils préférables pour leur permettre d'apparaître au sein de notre répertoire qui est actuellement en voie de préparation et qu'on devrait diffuser d'ici la fin de l'année 2013. Alors, en gros, c'est ce que le Conseil fait pour les artistes et les artisans. Et c'est avec plaisir qu'on vous invite tous à prendre connaissance de notre activité dans ce secteur. Alors, je suis au Conseil des métiers d'art du Québec depuis juillet 2011, spécifiquement pour identifier, regrouper et participer à la reconnaissance des artisans en métiers d'art liés à l'architecture et au bâtiment. Peut-être pour situer un petit peu le contexte, le Conseil des métiers d'art représente déjà les artisans en métier d'art. C'est quoi un artisan en métier d'art? C'est un artisan qui transforme la matière. Okay? Quand on parle d'un joaillier qui transforme, qui fait lui-même c'est la transformation du métal pour arriver à en faire une bague, ou un céramiste qui va partir de ses pigments, de la terre et tout ça pour fabriquer des objets utilitaires, c'est des métiers d'art.
Quand on parle de métiers d'art liés à l'architecture et au bâtiment, c'est quoi? C'est des artisans qui transforment la matière. Alors là, on parle des ébénistes, on peut parler des menuisiers d'art, des tailleurs de pierre, des forgerons, des peintres décorateurs qui vont embellir souvent les espaces, vont faire des fresques, des vitraillistes, des verriers, etc. Un artisan à métier d'art lié à l'architecture et au bâtiment peut aussi bien être un ébéniste qui va restaurer vos fenêtres anciennes de votre maison de 1832, ou encore le même ébéniste qui va faire, ou un autre ébéniste qui va construire un escalier sur mesure, un escalier balancé avec des ornements et avec une rampe, par exemple, faite par un forgeron aussi, qui sera plus une création contemporaine, en fait. Les deux sont des gens qui travaillent au niveau des arts et de la culture. Donc, c'est grâce à un soutien du ministère de la Culture par le biais de la SODEC que le Conseil des métiers d'art a obtenu un financement pour participer, démarrer cette démarche-là, qui est une démarche qui se veut globale pour la reconnaissance des artisans en métiers d'art liés à l'architecture et au bâtiment. Jusqu'à maintenant, on a identifié des gens, près de 700 personnes, artisans, artistes ou entreprises spécialisées qui sont de plus proche ou de plus loin intéressés à la démarche du Conseil des métiers d'art. Bien entendu, ce ne sont pas nécessairement 700 personnes qui peuvent être reconnues comme des artisans en métiers d'art liés à l'architecture et au bâtiment, mais de ce nombre-là, on pense qu'il y en a peut-être entre 300 à 350 personnes qui peuvent être reconnues comme des artisans en métiers d'art. Il y a eu plusieurs tentative de regroupement des artisans. Ces artisans-là ont souvent tombé avec l'industrialisation dans un nowhere, en fait. Donc, ils ont tenté à plusieurs reprises de se regrouper pour avoir des services, se faire voir, pouvoir travailler aussi et pouvoir être connus des donneurs d'ouvrages. La dernière tentative s'est faite autour du début des années 90. À leur dissolution, quand ils ont laissé aller leur regroupement en 2000, ils ont demandé au Conseil des métiers d'art de les représenter. Alors, plusieurs années plus tard, finalement, en 2011, le Conseil des métiers d'art a obtenu le financement pour justement commencer à identifier dans un premier temps, mais aussi regrouper et reconnaître les artisans en métiers d'art liés à l'architecture et au bâtiment. C'est le travail pour lequel on travaille présentement, le Conseil des métiers d'art met de l'énergie présentement. L'idée du répertoire des artisans, je pense, est essentielle. Ça fait des années et des années qu'on essaie de trouver une organisation qui va prendre le temps de tout répertorier, les artisans de métier, parce que tout le monde est à la recherche de gens compétents, de gens de métier. Et rien n'existait encore. Il y a eu des organisations qui ont fait des tentatives au Québec, que ce soit à Montréal ou à Québec, mais il faut mettre à jour ce répertoire-là, il faut le faire de façon assez exhaustive, de telle façon qu'il puisse être accessible à tout le monde à travers la province. Mais c'est essentiel parce que si on ne sait pas que des artisans existent, ben on est un peu à la merci de gens qui peuvent nous conseiller sur des façons de faire et qui ne sont pas nécessairement souvent les bonnes façons de faire. L'architecture ancienne n'est pas de l'architecture contemporaine, donc il faut bien savoir faire la part des choses. Les matériaux sont différents, les méthodes d'utilisation des matériaux, les façons de faire ont évolué, sont différentes. Donc il faut des gens capables de faire des interventions en utilisant les bonnes méthodes. Oui, moi je suis Vincent Madard, ébéniste, puis je fais de la menuiserie fine, menuiserie architecturale. J'œuvre, mon atelier est à Saint-Jacques-de-Montcalm, près de Joliette, dans la région de la Naudière. L'ébénisterie, pour moi, est arrivée par hasard dans mon cheminement. J'ai fait une formation en aménagement paysager, puis on a commencé à faire de l'ébénisterie pour travailler l'hiver. On a commencé en faisant du mobilier de jardin. Puis, de fil en aiguille, l'ébénisterie a pris de plus en plus de place dans ma vie professionnelle, ce qui fait que assez rapidement, je n'ai fait que ça à l'année. Oui, l'ébénisterie a pris de plus en plus de place. C'est vraiment du bouche à oreille. Puis on a suivi l'ouvrage qui est arrivé, qui a fait j'ai fait de toutes sortes de divers travaux, beaucoup dans l'extérieur pour commencer. Puis je me suis mis à faire beaucoup d'ornements extérieurs, d'ornements de maison, des
ornements de galeries, des colonnes, des rampes, des frises, toutes sortes d'ornements extérieurs. On a fait des salons, on a fait le salon de l'habitation à Montréal. On s'est fait connaître là, par des contracteurs. J'ai eu des gros contracteurs qui m'ont donné beaucoup de business. Puis, à travers ça, j'ai commencé à découvrir un petit peu la reproduction parce que j'aimais beaucoup toucher à ce qui était ancien. Puis, la reproduction, plus au début, c'est mis sur mon chemin. Puis, je me suis même intéressé à ces ouvrages-là en observant beaucoup, en travaillant sur des jobs, en regardant comment c'était fait puis en refaisant de la même façon. Je me suis mis à m'intéresser de plus en plus à ça. Jusqu'à ce que je me tanne de faire des jobs pour des contracteurs et tout ça. Dans la même après-midi, j'ai rayé de la carte tous mes contracteurs parce que j'étais vraiment tanné. Ce coup, j'ai trouvé que c'était un coup idiot un peu, mais ça m'a quand même fait du bien. Puis, suite à ça, là, je me suis mis vraiment à fond dans le travail sur mesure, spécifique, puis la reproduction. Mais je pensais que je faisais de la reproduction et restauration, mais j'en faisais plus ou moins. C'est quand j'ai commencé. En fait, c'est quand j'ai eu la formation, il y a quelques semaines, avec le CMAQ, sur ce qu'est un ouvrage de restauration et reproduction, que j'ai vu l'ampleur de ce que c'était, ce que ça impliquait, les règles et les normes et tout ça. Des choses que je mettais en application sans savoir exactement les termes, comment est-ce que ça se nommait. Mais j'ai vu l'importance que ça avait, mais ça m'a surtout allumé. Ça m'a surtout éclairé beaucoup, beaucoup. Puis comme j'avais dit à France, j'avais dit que ça a été une révélation pour moi. J'ai eu le privilège de donner certaines formations à des artisans sur l'histoire de la technologie de la restauration au Québec, sur l'évolution des matériaux. Pour me rendre compte qu'il y avait un besoin de savoir un peu comment les choses avaient évolué. Et donc, le conseil, en mettant en valeur les artisans à travers le répertoire, en développant des formations auxquelles, comme je disais, j'ai eu le privilège de participer, bien, c'est comme ça qu'on va arriver à garder la mémoire de nos techniques traditionnelles, la mémoire de notre histoire dans les moindres détails. Et je pense que c'est important, les artisans, de les valoriser, et de leur donner la possibilité d'intervenir sur des bâtiments anciens. Quelques formations ont été déjà données à plusieurs artisans qui ont fait la demande pour être reconnus artisans professionnels. Des formations tant au niveau du patrimoine bâti, de son histoire et des principes d'intervention. Des formations qui sont d'une durée de 3 à 4 jours. C'est des formations qui s'adressent déjà à des artisans qui sont en pratique. Donc, c'est des artisans qui ont déjà des connaissances générales ou des connaissances assez approfondies, dans le fond, parce que souvent, les artisans qui travaillent au niveau de la restauration du patrimoine bâti ont une connaissance générale, sont capables de lire le bâtiment, sont capables d'interpréter les styles architecturaux, sont capables de savoir sur telle maison c'était tel type de moulure, de mouluration qu'il y avait, c'était tel type de fenêtre qu'il y avait. C'est une des caractéristiques des artisans. Donc, on veut parfaire encore ces connaissances-là et les appuyer. Il y a des techniques aussi au niveau des matériaux à utiliser, au niveau de la réversibilité des interventions qui sont importantes à respecter. C'est des éléments de formation qu'on trouve importants à transmettre aux artisans aussi. Je pense que c'est important parce que d'une part, on va assurer qu'on garde en mémoire les connaissances, qu'on développe la capacité d'intervenir, parce qu'actuellement, on a plus ou moins cette capacité-là, aussi de faire en sorte que même, ultimement, ça réduise les coûts. Parce que si nos entrepreneurs actuellement ont perdu le savoir-faire, ont perdu la compétence, si on leur demande de faire un ouvrage, une intervention qui est en dehors de leurs compétences, le temps que ça prend pour arriver à le faire de façon performante, ça coûte des sous, ça. Si on utilise des gens de compétences, des artisans de métiers d'art liés à la construction, ces gens-là vont plus rapidement pouvoir intervenir avec plus d'efficacité et, disons-le, d'efficience, et donc, ultimement, les coûts devraient diminuer. Je pense qu'il faut toujours regarder l'intervention à long terme. Est-ce que le rapport qualité-prix n'est pas meilleur? Si je fais un ouvrage aujourd'hui rapidement et qui, soi-disant, que ça va coûter moins cher, mais que je dois le reprendre
10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, alors que si je fais un ouvrage où je prends le temps de bien le faire et que je fais 30 ans, 40 ans, 50 ans, je pense qu'on est regagnant. Et je pense que c'est important de considérer que ne jamais juger de la qualité ou du rapport qualité-prix dans un court terme, mais de le regarder dans un long terme. Mais ça, il faut avoir la place, il faut avoir le droit de le faire aussi. Parce que moi, je peux arriver et essayer de le proposer, mais il y a des jobs, ça ne se prêtera pas à ça, puis les gens vont être fermés à ça, tout simplement. Fait que c'est pour ça qu'on revient toujours à ce qui est l'éducation, d'éduquer les gens à la valeur de ça, parce que ça a une grande valeur. Parce que c'est sûr, oui, ça fait monter le prix, cette recherche-là. De le faire correctement aussi, il y a bien des façons d'assembler un objet. Mais si on le fait selon les règles de l'art, c'est plus de temps, c'est plus coûteux en temps. Mais par contre, à long terme, c'est sûr qu'on est gagné, définitivement gagné. Durant la dernière année, on a rencontré également les donneurs d'ouvrages, les associations, les intervenants au niveau du patrimoine bâti ou en création contemporaine également, qui sont préoccupés par la perte de savoir-faire, qui sont préoccupés, qui veulent utiliser de façon beaucoup plus importante ces ressources-là, qui sont souvent des trésors. On parle d'Héritage Montréal, le Conseil du patrimoine religieux qui a souvent besoin d'artisans pour travailler à la restauration de son patrimoine. L'Ordre des architectes, l'APMAC, les amis et propriétaires de maisons anciennes, etc. On en a rencontré beaucoup. Tous ces donneurs d'ouvrages-là attendent un répertoire, c'est sûr. Pas juste une liste, comme ils disent aussi, parce qu'ils veulent qu'il y ait une certaine reconnaissance, une certaine fiabilité aussi par rapport à ce répertoire-là. Et en rencontrant tous ces donneurs d'ouvrages-là, on s'aperçoit qu'on répond à un besoin urgent du milieu, tant au niveau des donneurs d'ouvrages qu'au niveau des artisans. Je donne souvent l'exemple, on vient de donner une formation sur la fabrication et la restauration des portes et fenêtres traditionnelles en bois. Après une seule journée où j'ai lancé mon annonce à ma liste d'artisans, le groupe de 12 personnes était comblé. On a réussi à aller chercher le financement pour donner un deuxième groupe. Donc, il y a eu 24 artisans récemment qui ont reçu un perfectionnement sur la fabrication et la restauration de portes et fenêtres en bois traditionnel. On voit qu'on répond vraiment à un besoin. C'est un début. Cette démarche-là va se compléter. Il va y avoir d'autres formations qu'on va donner, soit des formations très pointues ou encore des formations beaucoup plus larges parce qu'il y a beaucoup de ces métiers-là où aucune formation est donnée. Qu'on pense à la forge, au vitrail, la taille de pierre, il y a des formations, ce n'est pas toujours des formations qui sont adaptées non plus à la restauration du patrimoine bâti. Donc, beaucoup de ces métiers-là, soit qui ont des formations, mais qu'on n'enseigne plus les techniques traditionnelles, ou qui n'ont aucune formation. Donc, la réponse qu'on a, c'est qu'on répond vraiment à un besoin, du côté des artisans que des gens qui veulent utiliser les savoir-faire de ces artisans-là. Oui, bien, comme je parlais, c'est sortir de l'isolement, puis de discuter avec ses pairs, puis de voir les différentes façons de faire, puis les différents ouvrages que les gens travaillent dessus aussi. Qu'est-ce qui a été fait, puis de discuter sur des façons qu'ils ont faites aussi. Il y en a un qui m'a parlé d'une telle porte qu'il a faite, puis puis quand tu es arrivé là, tu l'as fait comment? Puis là, le professeur, il peut dire c'est fait comme ça, puis là, on peut intervenir et dire moi, j'ai déjà vu comme ça ou j'ai déjà fait comme ça. Ça apporte beaucoup d'éléments de plus, puis ça enrichit beaucoup notre savoir, c'est sûr. Ça nous permet de discuter et de partager beaucoup avec les pairs quand il y a des formations comme ça, puis qu'on se rend compte. C'est clair que c'est très instructif pour nous autres. Et les artisans sont intéressés et nous partagent déjà cette connaissance-là et ils vont souvent échanger entre eux durant les formations en se donnant des appréciations, des trucs, des façons d'améliorer leur production ou leurs produits. Et c'est une façon aussi de venir, d'interagir avec les clients aussi. Quand on connaît bien l'histoire du bâtiment sur lequel on va intervenir ou qu'on a le bon vocabulaire, on est capable de bien expliquer aux clients pourquoi cette intervention-là est nécessaire et pour quelle raison je vais faire telle technique et mes techniques sont éprouvées, sont reconnues.
J'aimerais ici apporter un point de vue par rapport à ce que fait le Conseil des métiers d'art, de vouloir un peu là, valoriser et faire connaître ces artisans de compétences. Il faut voir qu'au niveau de l'architecture, jusque dans les années 1950, il y avait une relative pérennité dans les façons de faire. Ça s'est bousculé à partir des années 50. Et donc, les artisans qu'aujourd'hui ont peut-être 70-80, qui sont déjà de très grandes compétences, bien, à un moment donné, on ne les aura plus. Et c'est d'autant plus important et même urgent qu'on forme et on assure la pérennité des savoir-faire en intervenant maintenant. Il y a un artisan, durant la formation sur les portes et fenêtres, me disait « qu'est-ce que ça me donne, en fait, d'avoir été reconnu artisan en métier d'art lié à l'architecture et au bâtiment et d'être devenu membre du conseil? » Ça me donne une crédibilité. Quand je parle maintenant avec des clients ou avec des architectes, ou, parce que souvent, on a à répondre à des devis, à faire des propositions, des soumissions pour des devis. Alors, quand je dis que que je suis membre du Conseil des métiers d'art, je suis artisan professionnel, ça me donne tout de suite, j'ai une meilleure écoute. C'est souvent ça que les artisans vont nous dire. Tu sais, il y en a d'autres, des trésors dans les régions. Il y en a d'autres, des gens que tu dis, ah, hey, monsieur, un tel, là, ça, là, c'est, tu sais, au village de, tu sais, c'est lui là, qu'on appelle quand on veut, quand on a besoin de conseils, quand on veut faire changer, je sais pas moi, des ouvertures sur une maison patrimoniale ou qu'on appelle quand on veut faire créer une rampe ou un portail en fer forgé, c'est ces personnes-là qu'on appelle. Bien, c'est ces personnes-là qu'on voudrait avoir, on veut avoir aussi dans le répertoire, qu'on veut faire partager aux autres aussi. Puis si c'est pas des gens, effectivement, qui pratiquent encore, mais c'est des gens qui peuvent former une relève. Donc, c'est important qu'on ait connaissance de ces perles-là qui sont dans chacune des régions du Québec. Parce que le répertoire se veut un répertoire qui est provincial.